on se retrouve aujourd'hui encore pour des petites réceptions de courrier, enfin des réceptions de courrier tout court. Voilà. Donc, le premier me vient de Marie-Reine. Il était dans une enveloppe matelassée comme ceci. Alors, celui-là, j'ai ouvert l'enveloppe parce que c'est une enveloppe matelassée et j'ai voulu découper. Alors, je n'ai pas ouvert. Voilà. C'est dans un sachet plastifié. Alors, attention. Hop. Voilà. Alors, je vois qu'il n'y a pas qu'une carte, hein, elle s'est lâchée. Tout est bien empaqueté, emballé. Oh là là, qu'est-ce que... Oh! Oh la magnifique carte. Oh, c'est super, super joli. Oh, j'aime beaucoup, oh, j'adore la lanterne comme ça. Alors, elle a fait la découpe et tout l'intérieur, bon, qui devrait être lumineux. Elle a mis du papier couleur or. Elle a fait un rajout, quoi. Elle a dû le... Avec le die, découper deux fois et récupérer, faire l'inverse après. Oh, c'est joli. Et le papier... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, le papier. Et ici, il y a une boule de Noël, comme ça, en argenté et rose pailleté. Meilleurs vœux. Un ruban rose, comme ça, sur un papier... dans les tons rose bordeaux. Oh, parce que c'est joli. Et à l'intérieur, oh là 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 là. Regardez la finition de la carte. Oh, c'est très très beau. Hein. Oh, c'est élégant comme tout. Alors, je vais lire mon mot. Parce que je vais envoyer une carte. Donc, elle me remercie pour ma carte. Ouais, elle a fait la santé, oui. Alors, c'est Marie-Reine du 44. Alors, c'est dommage parce que quand je vois ce travail et qu'il n'y a pas de chaîne, ah, j'adore. Hein, franchement, j'adore, j'adore. Alors, fait main par Marie-Reine des hauts, tes petits stickers comme ça, qu'est-ce qu'ils sont jolis! Oh, c'est vraiment très très beau. Ah, c'est vraiment, elle est élégante cette carte. Elle est magnifique. Alors ensuite, il y a un... Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Donc, il y a un papier bleu comme ça, un fond de carte. Ben, je vais le récupérer, bien sûr. Et là, toujours fait main, je me... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est joli. Oh, oh là là. Oh, je connais pas du tout ces perles. Ces fleurs comme ceci, hein, je les connais pas du tout. Et là alors, le chat, tout ce que j'aime. Un médaillon avec le chat, la découpe, un marque-page de toute beauté, de la dentelle. L'image, elle est... c'est cartonné, c'est en trois... Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, c'est un travail délicat, de toute beauté. Ah, franchement, j'adore. Ah, puis alors, la découpe... Donc elle a doublé sa découpe et elle l'a attachée comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est une attache qui pourrait servir aussi pour fermer des sacs, parce que c'est vraiment mais, magnifique. Je ne sais pas où tu as trouvé ta découpe, Marie-Reine, mais alors. Puis là, le mot avec tendresse. Donc c'est bien, il y a le nom de Marie-Reine comme ça. Oh, elle est super beau. Super. Oh, bon. Je vais arrêter de dire j'adore, j'adore, parce que déjà que je dis tout le temps voilà, alors si en plus je dis j'adore tout le temps, mais j'adore. C'est magnifique, et la petite fille avec son chat, l'image à l'ancienne comme ça, et le chat là dans la boule, regardez. Ah, c'est, ça rend rien en caméra par rapport à ce que c'est. Alors tout est embossé, hein. C'est embossé à chaud le papier. Je ne sais pas si le papier tu l'as acheté comme ça ou si c'est toi qui l'as embossé. On dirait que c'est toi. Hein. Comme vieilli à de la vintage photo. C'est trop beau. C'est vraiment de toute beauté, j'adore. Bon, en attendant, pour pareiller le verre, je vais le mettre là.
Alors, ils sont jolis en plus, tes petits sacs plastiques comme ça, ils sont costauds. Là là, qu'est-ce que c'est beau, mais vraiment, t'es doué, hein. T'as des mains en or, hein. Oh là là, les filles, c'est dommage que vous n'ayez pas de douceur de l'hiver. Avec un cœur comme ça, alors un peu percé comme ça, et on peut passer un ruban à l'intérieur. J'adore, dans les fonds bleus comme ça, et beige, et. Oh, il est vraiment beau ce papier. Et le cœur, une petite fleur comme ça, avec des petites perles. C'est d'une élégance. Donc elle l'a faite le 20 janvier, bah 21 cette année. Alors ses préférences vont shabby vintage, carterie, broderie. Oh là là, la broderie. C'est marrant, j'aimerais bien en refaire moi aussi de la broderie. Hein. Ça me détendait quand je faisais ça. Faut bien voir aussi. Hein. Ah bah c'est bien. T'as mis ta date d'anniversaire. Je le saurais. Oh j'adore Marie-Reine. Franchement, c'est magnifique, magnifique. C'est réalisé avec énormément de goût. Alors elle m'a mis des découpes. Alors, je vais les poser sur son papier. Hein. Alors, on a tout d'abord petit coin de paradis. Alors, attendez, je vais plutôt faire ça. Comme ça, vous verrez mieux. C'est superbe. Alors, elle m'en a fait une comme ça. Et une dans les tons bleu-vert, couleur un peu de la mer, comme ça. Très joli. Un attrape-rêve. Donc là, il n'y a pas besoin de fond. Vous voyez très très bien. Oh! Un joli parasol. Enfin, parasol, une ombrelle plutôt. Voilà. Superbe. J'ai des petits cœurs. Comme ceci. Ben, ça tombe bien, hein, les cœurs. On va être dans la période. Ah, oh, elle m'a mis la découpe, la fameuse découpe. Elle me l'a mise. Alors, voilà ce qu'elle donne, la découpe. Regardez comme elle est jolie. Ah, c'est joli. Alors, donc là, dans le marque-page, il est couleur or, mais il rend très bien en bleu comme ça. Ah, ça fait vraiment très très beau. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup cette découpe. Hein. Oh, tu l'as acheté, mais c'est le genre de truc que j'aime. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Dans les tons verts. Puis on voit bien l'embossage. Je sais pas si vous le voyez bien, mais on voit bien que c'est embossé. C'est très très beau. Hein. Donc elle m'a mis une grosse fleur comme ça. Pareil, une découpe comme ça. Donc ici on peut mettre une image au milieu. Ou une fleur. On peut mettre ce qu'on veut, quoi. Un message. C'est très très joli. C'est fait tout sur du beau. Oh, et des petits oiseaux sur. Voilà, regardez. Avec du hou, une branche de hou, une boule de Noël, donc ça, arrangé dans mes découpes de Noël. Voilà, et ici, on a une petite découpe verte. C'est sublime de chez Sublime. J'adore. De très belles découpes. Ah bah, il y avait une plume aussi. Je ne vous ai pas montré la jolie plume pailletée. Voilà. Très beau. Dommage, je viens de faire un truc sur les oiseaux, je le réutilise et elle est très très belle. Ta carte et ton marque-page, oh, ainsi que l'ATC, c'est top de top les finitions. C'est très beau. D'ailleurs, faut que je rachète des trucs là parce que j'arrive au bout de mes feuilles. Pour mettre ranger mes ATC. Voilà, donc Marie-Reine, je te remercie de tout cœur. C'est sublime. Et je vais garder tes petits sacs qui sont très très bien une fois que j'aurai rangé les découpes. Ensuite, alors là, j'ai une nette, elle me vient de Claudia. Alors, je vais l'ouvrir, c'est pas ouvert. Alors, Claudia, elle a une chaîne. Hein. Alors, Claudia, elle réalise un tas de choses dans les. Elle aussi. C'est magnifique son travail. C'est magnifique. Donc une carte de bons vœux comme ceci. En pareil, très classe.
Voilà, avec une fleur, des gros pistils, des découpes de feuillage dans les tons beige avec des petits pois, des découpes rondes. Ici, on a un fond bois, en dessous, on a un autre fond embossé. Donc, il y a plein de découpes rondes superposées. Une autre fleur ici, tous les feuillages comme ça, Happy New Year. C'est vraiment très très beau. Claudia, franchement, vous avez du goût, les filles. Et puis alors, j'ai beau recevoir. Donc, vous voyez, là, on voit que le papier il est embossé. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Évidemment, comme on a encore une après-midi déjà toute sombre et grise. Donc, évidemment, même avec la lumière, ça rend rien. C'est très joli. Elle a bombé toutes les tous les pétales des fleurs comme ça. Donc, la fleur ressort très bien. Alors, je vais lire son petit mot. Merci Claudia, c'est trop gentil ton mot. C'est trop, trop, trop gentil. Ça me fait énormément plaisir. J'adore ta carte. Je suis gâtée. Vraiment très gâtée. Alors ensuite, j'ai une autre carte. Alors elle me vient comme ça. Alors regardez l'enveloppe. Elle est très rigolote. Voilà, avec des petits... Voilà des petits gribouillis, mais en même temps, ça fait, on dirait des cœurs, sans en être. C'est des choses stylisées comme ça. Alors, elle me vient d'une homonyme, elle s'appelle Anne-Marie. J'en connais des. Depuis que je fais le scrap, je n'ai jamais rencontré autant d'Anne-Marie, je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Donc, Anne-Marie, c'est notre tati pompon national. Alors, je vois qu'il y a plusieurs choses aussi dans l'enveloppe. Une autre carte. Alors, Anne-Marie, ce que j'aime chez elle, c'est son humour. Alors, c'est... Voilà, son humour, son originalité. Alors, comment t'as mis, là? T'as fait des paillettes, là, dans le... Alors, ici, on retrouve, dans sa carte de vœux, un petit renard comme ça, alors, dans lequel, alors, sur le ventre. Je ne sais absolument pas comment elle a fait pour mettre les paillettes qui sont pailletées de rose. Et le petit bonhomme de neige ici, les petits pingouins, trop rigolos. Non mais regardez-moi ça. En fait, elle a fait après des petites découpes comme ça. On a l'impression que c'est un tipi, une tente. C'est très 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 joli. Elle a ancré les bords en violet. Là, le fond est rose et vert. Oh, c'est qu'est-ce que c'est original. Alors, ouais, j'ai de quoi lire. Hein. Et puis elle écrit bien aussi. Anne-Marie. Ah ouais, t'as raison, une santé de fer, c'est ce qu'il nous faut. Ah! Ah, ça va être une belle année pour toi, alors. Oh là là, je suis super contente. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un petit gars, une petite fille? Enfin, pas toi, mais voilà. Ah, c'est bien d'être grand-parent. C'est sûr que c'est bien. Moi, j'adore mes petits-enfants. Alors, félicitations, hein. Tu nous tiens au courant, surtout. Et ensuite, j'ai une petite pochette comme ça. Elle m'a fait une Madame Voilà numéro 2. Ah, j'adore, j'adore. Oh là là. J'adore. Sur lequel elle a mis sur le petit bonnet 2021. Est-ce que vous le voyez bien là? 2021, Madame Voilà, avec ses lunettes. Voilà, en train de. Ben, on n'a pas fait la fête hein, cette année. Hein. Des bons moments en famille. Ici, c'est embossé des bons moments en famille. Oh, j'adore. J'adore ce petit poussin avec ses grosses lèvres. Pour Madame, voilà. Faites le 15-1, la une sur une. Fond à la distress. Ah, j'adore, j'adore. Et regardez, la petite pochette comme ça, avec un nœud en mousse.
Oh, c'est adorable, les filles. Hein. Vous pouvez pas savoir comme. Mais ça m'embête parce qu'à chaque fois que je range en fait les ATC, les pochettes, je peux pas les mettre avec. Et il y en a qui m'ont fait des pochettes magnifiques. C'est vraiment dommage. Parce que voilà, c'est tout tamponné. C'est bête de. Je peux pas les utiliser pour les renvoyer. Autant j'utilise tout ce que vous m'envoyez, les découpes, les. Voilà, les autocollants, les trucs comme ça, mais là, les pochettes, je ne vais pas prendre vos pochettes pour les réenvoyer à une copine. Ah, c'est trop, ça m'éclate, ça. Voyez, quand je vous dis, Anne-Marie, elle a un humour de dingue. Voilà. Alors, tu me diras, hein, quand tu seras mamie, tu me le dis. Hein. Voilà. On t'envoie une belle carte de félicitations, hein. Ah là là. Eh bien, je vous fais toutes les trois de très 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 gros bisous. C'est super, super. Je vous remercie. Que du bonheur. Alors, on remontre celle de Marivonne. Marivonne. Parce que j'ai une autre qui s'appelle Marivonne. Mais là, c'est Marie-Reine. Claudia. Alors là, c'est Claudia V. Mais bon, vous la connaissez. De toute façon, je mettrai le lien de sa chaîne. Et voilà. Par contre. Anne-Marie, elle a, c'est Tati Pompon, elle a un Instagram. Alors, si j'arrive à faire quelque chose, je mettrai son Instagram. Voilà. Comme elle met pas mal de choses qu'elle réalise sur Insta, si j'arrive à faire ça. Mais bon, je sais pas si j'ai Insta sur mon ordinateur. Moi, je travaille que sur mon ordinateur. Sur mon téléphone, c'est trop petit. Puis, j'ai pas les mêmes fonctionnalités. Même pour mettre une vidéo en ligne, il y a des trucs que je peux pas revenir sur la vidéo, rajouter, changer. Avec mon téléphone, c'est plus compliqué qu'avec l'ordinateur. Je vous remercie toutes les trois de tout cœur pour vos magnifiques courriers. Donc, je vais vous mettre dans vos carnets. Parce que j'ai dit que j'allais, on va encore attendre une semaine et il y aura une petite surprise pour toutes celles qui m'ont envoyé des cartes de vœux. Voilà. Donc, ben voilà. Donc, Madame Voilà, vous souhaite une bonne fin de journée. Vous regardez, je suis toujours avec, je rajoute sur mes vêtements ma tenue douce, là, parce que, ben, il fait pas, voilà, en ce moment, on n'a pas à se plaindre. Hein. Voilà, mais comme on ne met pas le chauffage à fond et quand on ne bouge pas comme ça, ben, des fois, voilà, on a des petits frissons. Donc, une petite veste polaire. Ça s'impose sur un t-shirt. Voilà, ben je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore mille merci.